Ouais. Troisième commandement, dédié commandement. Vint Babylone et ne prend pas le nom de l'Éternel en vain. Il refusa d'être de bonne foi. Il était de mauvaise foi et il a tout foiré. Il eut plein de problèmes face au croque-mitaine et souffra la peine et l'exil. Troisième commandement, dédié commandement. Vint Babylone et ne prend pas le nom de l'Éternel en vain. Il refusa d'être de bonne foi. Il était de mauvaise foi et il a tout foiré. Il eut plein de problèmes face au croque-mitaine et souffra la peine et l'exil à travers les travestissements du matérialisme séculaire que les diables portent le pouvoir du mensonge et soit rempli de foi, de tenir homme. Tu sens que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et toute ton intelligence. Les fondements du monde des mensonges sont tombés. Ils voulaient nous entraîner dans leur chute et nous amener à la faute. Ils n'avaient des gars, ni pour Dieu et ni pour l'homme, à défaut d'avoir de remords. Les gosses du gospel rap les ont menacés de mort et au final ils les ont condamnés à mort. Amère d'amertume que les lois du diable soient invalidées. L'esprit limité des pécheurs et dans la torpeur les âmes pures n'ont pas perdu l'honneur. L'industrie illuminati n'a pas d'importance ni de sens à leur sens. Barack Obama est semblable à Ben Laden Osama. Les deux ont l'idée que le capital est capital et que les villes sont les capitales du crime. À la fin de la monarchie a succédé une période de terreur suivie par la restauration de la monarchie. Le terrorisme n'est rien de plus que la politique de la terreur. Le terrorisme augmente le taux de criminalité. La criminalité augmente le PIB. Un terroriste est un gangster en puissance par excellence. Et un gangster est un consommateur en puissance par excellence. Demande à Curtis Jack, il t'en donnera l'idée dans le morceau Windows Chapa. Troisième commandement, dédié commandement. Vint Babylone et ne prend pas le nom de l'Éternel en vain. Il refusa d'être de bonne foi. Il était de mauvaise foi et il a tout foiré. Il eut plein de problèmes face au croque-mitaine et souffra la peine et l'exil. Troisième commandement, dédié commandement. Vint Babylone et ne prend pas le nom de l'Éternel en vain. Il refusa d'être de bonne foi. Il était de mauvaise foi et il a tout foiré. Il est plein de problèmes face au croque-mitaine et souffra la peine. Et l'exil vers l'émergence d'une transformation globale. Le temple de la franc-maçonnerie a embauché les altères mondialistes à l'esprit mafieux. Nous dire que notre monde est possible, ni esprit, des mauvais esprits ne sauraient nous amener qu'à la mort. Ni l'Europe, ni l'Afrique, ni même le monde entier ne sont à l'abri. La vérité sur les hip-hop disponible sur Dailymotion te demande de dire amen aux paroles de l'Éternel avant la démolition. Frère Dende n'est pas un prêtre, ni même un pasteur. Gangster des misères, de même que les RNDMC. Dende n'est qu'un homme qui connaît les saints écrits. Consulte ma page Facebook qui s'appelle Sky High TV, qui s'intitule Sky High TV, Reality TV. Tu sauras que dans le monde il y a beaucoup de facéties. Wall Street demande que la monnaie est l'héritage des héritiers de la rue. Ceci n'est pas des gangsters rap, de malheur et de misère. Ceci est du gospel rap, des ressources du monde. Ne sont pas à vendre, la vie a de la saveur, mais il ne faudrait pas au nom de la foi de n'avoir à vivre qu'une ne fois acclamer que la vie est un hasard et qu'elle donne tous les droits au scandale. À défaut d'avoir de loi, selon le livre de la loi, le livre de la foi, celui qui ne croira pas ne subsistera pas intègre. Ne me regarde pas comme un nègre de la pègre. Troisième commandement, dédié commandement. Vint Babylone et ne prend pas le nom l'Éternel en vain. Il refusa d'être de bonne foi. Il était de mauvaise foi et il a tout foiré. Il eut plein de problèmes face au croque-mitaine et souffra la peine et l'exil. Troisième commandement, dédié commandement. Vint Babylone et ne prend pas le nom l'Éternel en vain. Il refusa d'être de bonne foi, il était de mauvaise foi et il a tout foiré. Il eut plein de problèmes face au croque-mitaine et souffra la peine et l'exil. L'abominable mauvais garçon avait perfide disqualifié à défaut d'être capable de s'empêcher d'être cupide et stupide, à condamner tous les hommes à la mort mentale. De même que Jeannès et Sambrès, il s'opposa à Moïse et il fanfaronna au moment où nous étions.
sont prêts à tomber dans le gouffre de l'homme de la mort. Il amena le fait qu'elle a reboulé son stagna. Pourtant Springer Bell lui avait dit qu'on ne mélange pas les caleçons et les ficelles. Je sais que tu as découvert hier que tu étais un gangster. À part jalouser tes frères, tu n'as jamais eu les mains dans la magouille. Au contraire, tu disais que les héritiers de la rue ne respectaient pas la loi, mais la formalité et que l'économie est informelle. On n'a jamais compris. Était-ce un affranchi ou une secrétaire? Cependant, il disait et criait même sur les toits qu'il avait la foi de même qu'Ophélie Winter, mais que toutefois il adorait la monnaie. C'est pourquoi on ne le trouva pas parmi les longues peines. Prisonnier politique, poursuivi sous écrou des faits. Des lois du diable, le parrain de la mafia. Jésus est venu et l'inutile faux croyant lui dit qu'il avait caché le talent qu'il lui avait donné dans l'idée de déraciner le mal enraciné dans le modèle de société de l'antéchrist. Et il fut jeté aux ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements dedans. Troisième commandement, dédit commandement, va en Babylone et ne prends pas le nom de l'Éternel en vain. Il refusa d'être de bonne foi. Il était de mauvaise foi et il a tout foiré. Il eut plein de problèmes face au croque-mitaine et souffra la peine et l'exil. Troisième commandement, dédit commandement, va en Babylone et ne prends pas le nom de l'Éternel en vain. Il refusa d'être de bonne foi. Il était de mauvaise foi et il a tout foiré. Il eut plein de problèmes face au croque-mitaine et souffra la peine et l'exil.